Aujourd'hui 22 octobre 2020. Aujourd'hui est un grand jour et c'est un jour 9, la fin de quelque chose. 22 10 2020. 2 2 1 0 2 0 2 0. Ce qui nous fait 9. Et retenez bien cette date puisque c'est la date de signature de la promesse d'achat de ma nouvelle maison. Et je remercie de cela grandement les cieux et l'ange du jour et Manakel qui est l'ange gardien de ma sœur. Manakel, Dieu qui seconde et maintient toutes choses. Un de mes chats se nomme Manakel. Dieu nourricier, bel ange, toi qui aides tes protégés à retrouver ce qui a été égaré, toi qui favorises leur sommeil et leur rêve. Manakel, Manakel, Manakel. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci, Archange Gabriel, recteur du cœur des anges, auquel appartient Manakel. Merci, au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi et je te remercie grandement de tout ce que tu m'apportes, de ton aide, de ton amour et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Manakel, 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 Dieu nourricier, bel ange, toi qui aides tes protégés à retrouver ce qui a été égaré, toi qui favorises leur sommeil et leur rêve. Écoute-moi et accorde-moi tes bienfaits si cela est juste. Merci, Archange Gabriel, merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de tous les anges, archanges, tous les saints, avec l'aide du rayon rubis orange doré. Aujourd'hui, nous sommes un jeudi. Ainsi soit-il, amen. Manakel, Dieu nourricier, bel ange, toi qui aides tes protégés à retrouver ce qui a été égaré, toi qui favorises leur sommeil et leur rêve. Écoute-moi et accorde-moi tes bienfaits, si c'est le juste. Merci, Archange Gabriel. Merci, messager de Dieu, force de Dieu, qui aide aussi à la compréhension et l'interprétation des rêves. Merci, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Donc, Dieu nourricier, Dieu qui seconde et maintient toutes choses, Manakel. Prière de l'ange Manakel. Je suis la conscience de la paix. Je suis celui qui vous permet de communiquer avec elle. Je suis celui qui vous permet d'entrer en communication avec votre corps, qui vous permet de comprendre là où vous n'aimez pas votre corps, là où votre corps n'est pas en alignement avec la loi. Je suis celui qui répare vos troubles physiques et qui vous permet de ne pas rentrer dans la peur. Je suis celui qui vous permet d'aimer vos difficultés et de les comprendre. Je suis celui qui pose chaque événement de votre vie comme une expérience intégrée. Je suis l'amour qui répand la paix sur la terre. Je suis l'amour qui permet que chaque être communique avec les autres. Je suis le ferment de la coopération, de la fraternité et du partage qui se développeront dans vos années à venir. Je suis celui qui aide les êtres qui ont perdu l'amour. Je suis celui qui les nourrit et qui les apaise. Je suis le ciel qui illumine toutes choses. Je suis le ciel qui se pose sur toutes choses. Je suis l'espace que la paix occupe dans votre vie. Sans cet espace, vous ne pouvez accéder à Dieu. Je suis la paix que vous donnez au partage. Je suis la place que vous donnez au partage dans votre vie. Regardez-moi, écoutez-moi, Manakel, je t'accueille. Merci, Manakel. Je suis le ciel qui illumine toutes choses. Il y avait énormément d'étoiles cette nuit. On les voit très 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 bien, toutes ces étoiles, c'est merveilleux. À Faverolles, on voit toutes les étoiles du ciel quand elles sont présentes et j'ai pu aller remercier le ciel et y asseoir sous les étoiles. Je suis le ciel qui illumine toutes choses, je suis le ciel qui se pose sur toutes chose. Je suis l'espace que la paix occupe dans votre vie. Sans cet espace, vous ne pouvez accéder à Dieu. Je suis la place que vous donnez au partage dans votre vie. Regardez-moi, écoutez-moi, Manakel, je t'accueille. J'accueille ta paix, j'accueille la paix du Christ. L'ange Manakel nous met en mémoire que nous sommes inscrits dans la roue karmique qui symbolise aussi notre temps. Tant que nous croyons que le passé influe le présent et le futur, tout se passera ainsi et la loi du karma continuera tant que nous le croirons. L'ange Manakel nous dit que tout est possible et que nous pouvons tout arrêter. Il nous suffit de regarder avec le regard de l'éclairé, celui de l'ange Manakel notamment, et d'accepter que cela cesse. Il nous suffit de trouver en nous le regard de la mère afin de ne plus nous juger, ni juger les autres. Alors l'amour de la mère prendra sa place dans toutes nos cellules, pansera nos plaies, nous calmera, nous rassurera et la paix reviendra. L'ange Manakel nous inspire afin que nous retrouvions cet état de mère et que nous nous reconnections avec elle. Il nous apporte la solidité de la mère, sa patience. Nous pouvons compter sur elle, elle est la base de notre sécurité, de la sécurité de la vie. Elle amène la paix et nous permet de retrouver la paix avec la terre-mère. L'ange Manakel nous aide à vivre notre sensibilité, notre intuition, notre réceptivité de façon
intense, accrue, en accord avec nous-mêmes, le temps et l'espace. Il nous permet de poursuivre notre route sans nous arrêter sur nous-mêmes et nos problèmes, en nous permettant de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, mais en gagnant en expérience, en utilisant les événements pour mieux croître vers l'amour et la lumière. C'est ainsi que nous retrouverons notre paix intérieure. La mémoire est un outil fabuleux à partir du moment où nous avons acquis le détachement émotionnel. Si cela est le contraire, cela devient un énorme frein à notre évolution. La mémoire permet la construction d'une humanité plus en équilibre, plus posée et sereine, bâtie sur une profonde expérience et une grande sagesse. L'ange Marie-Gaëlle nous demande beaucoup d'efforts, mais si nous sommes positionnés sur la mer, qui donne et qui reçoit, l'effort disparaîtra et sera remplacé par une grande joie d'accomplir le bonheur de son enfant, l'humanité tout entière. L'ange Marie-Gaëlle amène la conscience de la nourriture dont notre corps a besoin, nourriture alimentaire mais aussi spirituelle. C'est ainsi que nous entreprendrons de changer notre alimentation pour mieux installer l'équilibre dans notre corps. Les prises de conscience sont telles que des changements radicaux de la façon de vivre se mettront en place. Cela amène une élévation vibratoire et un champ d'action élargi sur l'entourage. Ce changement vibratoire apporte une ouverture d'esprit qui plaît à chacun et dégage un grand charme et une grande bonté. Manakel, je te confie la signature d'aujourd'hui et je te confie cette maison. Que cette maison soit bénie au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La maison, le jardin, le palier, la porte, les fenêtres, le toit, le grenier, les dépendances, les arbres, tous les végétaux, tous les minéraux qui peuvent être là-bas et tout l'entourage, tout le voisinage. Merci de venir ceci, ange Manakel. Au nom du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, alléluia, et bénis-moi aussi, et chacun de mes chats. Merci, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, 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 alléluia. Manakel, ange qui possède la force qui change les ténèbres en lumière pure, aide-moi à sortir de l'obscurité, de la médiocrité. Permets, s'il te plaît, que je puisse m'évader des situations stationnaires, routinières, et libère-moi tout autant des préoccupations matérielles. Aide-moi à découvrir, ange Manakel, ce qui est divin dans mon intérieur. Montre-toi bienveillant envers ton protégé. Guéris mes maux physiques et moraux. Aide-moi à être toujours aimable et gentil. Éveille mon intuition pour que je comprenne les messages que tu m'envoies dans mes rêves et aide-moi aussi à me débarrasser de mes mauvaises qualités, autant physiques que morales, afin qu'avec toi, j'arrive à réaliser pleinement mes projets de vie. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci, Manakel, ange qui possède la force qui change les ténèbres en lumière pure. Aide-moi à sortir de l'obscurité, de la médiocrité. Permets que je puisse m'évader des situations stationnaires, routinières, et libère-moi tout autant des préoccupations matérielles. Aide-moi, s'il te plaît, à découvrir, ange Manakel, ce qui est divin dans mon intérieur. Montre-toi, s'il te plaît, bienveillant envers ton protégé. Guéris mes maux physiques et moraux. Aide-moi à être toujours aimable et gentil. Éveille mon intuition pour que je comprenne les messages que tu m'envoies dans mes rêves. Et aide-moi aussi à me débarrasser de mes mauvaises qualités, autant physiques que morales, afin qu'avec toi, j'arrive à réaliser pleinement mes projets de vie. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Manakel, ange qui possède la force qui change les ténèbres en pure lumière pure. Aide-moi, s'il te plaît, à sortir de l'obscurité, de la médiocrité. Permets que je puisse m'évader des situations stationnaires, routinières, et libère-moi tout autant des préoccupations matérielles. Aide-moi à découvrir, ange Manakel, ce qui est divin dans mon intérieur. Montre-toi bienveillant envers ton protégé, guéris mes maux physiques et moraux. Aide-moi à être toujours aimable et gentil. Éveille mon intuition pour que je comprenne les messages que tu m'envoies dans mes rêves. Et aide-moi aussi à me débarrasser de mes mauvaises qualités, autant physiques que morales, afin qu'avec toi, j'arrive à réaliser pleinement mes projets de vie. Merci, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, roi du ciel, consolateur, esprit des vérités, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de tout souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Merci, merci, merci. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, je te confie ce nouveau foyer et tous les êtres autour de moi. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de
famille de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et d'aide nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Et je remercie encore une fois d'avoir pu rentrer dans l'église de Faverolles hier, d'avoir pu voir ta statue Saint-Joseph avec l'enfant Jésus, d'avoir pu voir la statue de Marie, la statue de Jeanne d'Arc, la statue de Saint-Antoine de Padoue, qui est à venir, en fait, à venir étant le mot du jour. Saint-Antoine de Padoue, grand voleur et grand filou, fait que ce qui ne nous appartient pas nous soit rendu. Amen. Saint François d'Assise, merci, prie pour moi, prie pour nous. Moi, Micha, mon lieu d'habitation. Donc, j'ai vu aussi, donc, la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que c'était, si elles étaient emballées, elles étaient prêtes à arriver, une grande statue de Jésus. Et la croix, j'ai pu voir tout celle-ci et deux vitraux et rentrer à l'intérieur de cette église qui est fermée depuis 7 ans au moins. Merci de cela, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Amen. Très cher Archange Michael, prince de la milice céleste, je te demande de m'entourer d'une bulle de protection de couleur bleue, bleu argenté, bleu or, s'il te plaît, moi, mes chers, mon lieu d'habitation, mon prochain lieu d'habitation. Même yod kaf aleph lamed. Michael, qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen, une pensée pour Myriam, qu'elle soit aussi protégée, pour Michel, qui a la gentillesse de m'emmener à cette signature, qu'elle soit bénie, qu'elles soient bénies toutes les deux, et que tout soit béni autour de moi. J'invoque le rayon rubis orange doré de la paix. Donc c'est lié aussi donc à Manakel, la paix. Un jour de paix, donnez-moi la paix, s'il vous plaît, pour toujours, à l'intérieur, à l'extérieur. J'invoque le rayon rubis orange doré de la paix et de la fraternité divine en action, de la résurrection, dirigé par Maître Jésus Ananda, Maître Lady Nada et l'Archange Auriel. Auriel, rayon rubis orange doré de la paix et de la fraternité divine en action. Descends en moi, s'il te plaît, entoure-moi, entre en moi et active en moi la puissance de la flamme rubis orange doré, afin de recevoir puis manifester l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, 12 minutes 12, le partage, la paix en tout acte, pensée et parole. Au nom des puissances d'Elohim, des Kohan, des archanges directeurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation durable du rayon rubis orange doré pour mon développement personnel, pour le développement personnel de tous, et mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la Terre-Mère. Merci, puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement et me guider, qu'il en soit ainsi et cela est au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen. Je demande la paix aussi pour chacun de mes chats et l'entente entre eux. Merci, j'invoque le rayon rubis orange doré de la paix et de la fraternité divine en action, dirigé par Maître Jésus Ananda, Maître Lady Nada et l'Archange Auriel, rayon. Rubis orange doré, de la paix, de la résurrection, de la fraternité divine en action. Merci de ressusciter tous les plans de ma vie. Descends en moi, descends en nous, moi, mes chers, mon lieu d'habitation, mes projets, mes biens, mes amis, ma nouvelle maison, mon entourage. Descends en moi, descends en nous, entre en moi, et active en moi la puissance de la flamme, rubis orange doré. Que la paix soit partout autour de moi, surtout dans ce nouveau lieu d'habitation et partout autour, afin de recevoir puis manifester l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, le partage, la paix, en tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui, au nom des puissances de l'Élohim, des Kohan, des archanges directeurs et des anges des rayons. Je décrète l'activation durable du rayon rubis orange doré pour mon développement personnel, le développement personnel de chacun et mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la Terre, puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement, et me guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père Céleste Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ, j'ai confiance en toi et du Saint-Esprit. Par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ces deux cœurs, avec l'aide de tous les anges, archanges et tous les saints, de Krishna, de Radha, de Prabhupada, ainsi soit-il, amen. Orange est aussi la couleur des robes, en fait, des sannyasis, par exemple, enfin, des sages de l'hindouisme, on va dire, du mouvement Krishna. Safran, couleur safran, j'invoque le rayon rubis orange doré de la paix et de la fraternité divine en action. Dirigé par Maître Jésus Ananda, Maître Lidinada et l'Archange Auriel,
Rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré de la paix, de la résurrection, de la fraternité divine en action, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, moi, mes chers, mon lieu d'habitation, mes amis, mes proches, mes biens, mes projets, mes livres, entre en moi, entre en nous, flamme de résurrection, active en moi et en nous, de la paix, de la fraternité divine en action, active en moi et en nous la puissance de la flamme rubis orange doré, afin de recevoir puis manifester en ce jour important pour moi, de signature de cette promesse d'achat, jour de l'ange gardien de ma sœur aussi, l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, le partage, la paix, en tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Au nom des puissances, des Elohim, des Kohanim, des archanges directeurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation durable du rayon rubis orange doré pour mon développement personnel et mon ascension. Puisse ce rayon s'activer intensément, chacun sans moi, me protéger divinement et me guider, qu'il en soit ainsi. Et cela est, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Manakel, Manakel, Manakel. Ange Manakel. Conseil pour mon cher Manakel. Manakel, personne qui a des principes, des normes, elle sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Haute moralité, elle guérira des maladies, une période de mauvaise chance, de fatalité a pris fin. Elle recevra pendant ses rêves les indications voulues pour bien choisir son chemin vers le succès. Son amabilité et son caractère doux lui feront gagner des amis parmi les gens de bien. Succès dans tout ce qu'elle entreprendra. Donc aujourd'hui, j'entreprends la signature de l'achat de cette maison. Manakel, prière à l'ange, Manakel, Seigneur, Manakel, toi qui possèdes la force de qui transmue. Seigneur, Manakel, toi qui possèdes la force qui transmue les ténèbres en pure lumière, aide-moi à sortir de l'obscurité. Permets que je puisse m'évader des situations stationnaires et libère-moi des attaches matérielles. Que Dieu se montre bienveillant envers son serviteur et qu'il le guérisse de ses maux. Aide-moi à être aimable et gentil et permets que je puisse me débarrasser de mes mauvaises qualités, autant physiques que morales. L'ange Manakel exhorte, tu dois savoir, pèlerin, que la matière est un déguisement avec lequel l'énergie se masque. À l'intérieur de n'importe quel réceptacle matériel se loge une autre vie secrète occulte qui contient la graine, la semence du monde à venir. Ma fonction, pèlerin, est de mettre en éveil et sous tension les organes de ton corps pour que cette semence génératrice puisse sortir de toi et que tu puisses, avec elle, engendrer des nouveaux mondes. En fait, les énergies sont reçues par chaque chose dans la matière et ces énergies qui viennent du ciel portent l'avenir à venir, qui est le mot du jour. Tu dois savoir, pèlerin, l'ange Manakel exhorte, tu dois savoir, pèlerin, que la matière est un déguisement avec lequel l'énergie se masque. À l'intérieur de n'importe quel réceptacle matériel se loge une autre vie secrète occulte qui contient la graine, la semence du monde à venir. Ma fonction, pèlerin, est de mettre en éveil sous tension les organes de ton corps pour que cette semence génératrice puisse sortir de toi et que tu puisses avec elle engendrer des nouveaux mondes. Merci de m'aider à cela, ange Manakel. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste Puissant, Saint-Esprit, Marie, merci. Manakel, don et pouvoir qu'il accorde, amour, ne pas vouloir embellir ou dissimuler ses passions ou ses propres défauts, ne pas idéaliser l'érotisme, ne pas le combattre non plus, car ce faisant, on donne de l'importance et au rang à ce qui veut s'imposer à nous. Le meilleur combat pour vaincre les excès de sensualité est celui de se battre sur d'autres fronts, le professionnel, l'économique ou le social, par exemple, c'est là que l'amour naîtra vraiment. L'argent, une plus forte rentrée d'argent dans vos coffres, ne devrait pas changer votre vie, mais par contre, avec cet argent frais, vous devriez changer le monde, l'améliorer. Plus vous investirez, plus vous recevrez. Oui, vous pourrez changer beaucoup de choses dans le bon sens, à commencer par la qualité de la vie de votre proche entourage. Santé, cet ange protège contre les rhumatismes articulaires et les déformités osseuses. Faire intervenir le médecin, le magnétiseur est souvent très utile également. Remise en forme anémique dans votre travail, chez vous, en vous. Y a-t-il du désordre? Dans ce cas, distinguez-vous, faites-vous remarquer par des actions élevées au service des autres. L'harmonie reviendra à la santé aussi. Travail, vous vous approchez du top niveau dans votre travail. On vous regarde, faites apparaître ce que vous portez de plus élevé dans votre fort intérieur. Éliminez vos mauvaises habitudes, vous occupez la place qui est la vôtre dans le mouvement du cosmos. Initiation ésotérique, la personne aura accès à des connaissances concernant l'art et la manière dont le grand architecte de l'univers a édifié le monde. La lecture de La Cosmogonie de Max Endel et du grand livre, tome 1 et 2 de Haziel seront de la plus grande utilité. J'ai écouté déjà La Cosmogonie de Max Endel, c'était très intéressant. Manakel, s'il te plaît, ange Manakel, libère-moi de tout souci, transforme en moi et autour de moi le mal en bien, accorde-moi
S'il te plaît, la grâce de ton essence qui permet le clair discernement des situations et la découverte des moments opportuns pour agir et réussir. Seigneur, dans laquelle aide-moi à toujours faire le bien et à ne jamais faire le mal. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Manakel. Amen, amen. Manakel, libère-moi de tout souci, s'il te plaît. Transforme-moi et autour de moi le mal en bien. Accorde-moi la grâce de ton essence, qui permet le clair discernement des situations et la découverte des moments opportuns pour agir et réussir. Seigneur, Manakel, aide-moi à toujours faire le bien et à ne jamais faire le mal. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, alléluia. Amen, amen. Manakel, libère-moi de tout souci, s'il te plaît. Transforme-moi et autour de moi le mal en bien. Accorde-moi la grâce de ton essence qui permet le clair discernement des situations et la découverte des moments opportuns pour agir et réussir. Seigneur, aide-moi à toujours faire le bien et à ne jamais faire le mal. Merci, Manakel. Ainsi soit-il. Amen. Et j'ai tiré aussi, j'ai fait un tirage de cartes des anges et j'ai tiré l'ange Rochelle. Et là, je tombe sur, en ouvrant le livret, je tombe sur l'ange gardien de ma mère, Daniel. Une pensée pour ma mère, je prie pour ma mère, pour mon père, pour ma sœur, pour ma famille de sang, pour ma famille spirituelle, ma famille d'âme. Et mon complément amoureux, mon âme sœur que j'attends. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Merci. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc, Rochelle, c'est dans quelques jours, c'est dans 3 jours. Tes biens te seront restitués, tu ressentiras le besoin de restituer ce qui ne t'appartient pas. Tu recevras faveur, protection et honneur des personnes que tu ne connais même pas. Récupération de ce qui était perdu ou égaré. Donc il y a un peu la même idée, je sais pas laquelle. Si tu étais l'objet d'un vol, tu sauras qui t'a volé. Les personnes objets de la consultation deviendront riches et renommées. Tu recevras un héritage. C'est grâce aussi à cet héritage, en fait, que je peux acheter cette maison. Merci de cela. Tu peux réussir en tant qu'avocat, notaire, magistrat. Tu devrais étudier le droit, les lois. Grand connaisseur de la tradition, des us et coutumes des peuples, tu connaîtras la vérité par la voie de l'intuition. Prière à l'ange Rochelle, Seigneur Rochelle, vide mon âme de tout ce qui n'est pas droit, pour que ta lumière puisse me pénétrer. Permets-moi, Rochelle, de porter témoignage de ta divine bonté. Permets-moi de devenir un exemple vivant pour autrui et d'être le canal vivant des grands desseins du Saint-Esprit. Béni soit-il. Amen. L'ange Rochelle exhorte, je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Merci, je t'enivrerai de lumière, merci, et cette lumière prendra une telle intensité, une telle vitalité que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs, et ainsi tu découvriras la volonté divine du roi du monde. Merci beaucoup de ce message, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Donc je pense que ce sera dimanche, le jour de l'ange Rochelle. Merci Rochelle, merci Manakel, merci à tous les anges archanges, merci mon ange gardien, mon bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon très sage conseiller, mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au soin d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez. J'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, protégez-moi, fortifiez-moi, vivifiez-moi, aimez-moi. Gouvernez-moi, ôtez les pierres de mon chemin, montrez-moi le chemin. Parlez aux anges gardiens de tous ceux que je rencontrerai. Préparez ma prochaine compagne à notre rencontre. Merci, retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénie entre toutes les familles, icônes de la Sainte Trinité. Et Jésus, accueilli par votre oui,
nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph avec tous nos amis du ciel. Priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Prière à Sainte Rita. Ô glorieuse Sainte Rita, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur Tout-Puissant et Bon, aide-nous auprès de Dieu. C'est sur ton intercession que nous avons basé notre confiance. Il est 8h08. 8h08, je demande que cette signature, cette promesse d'achat soit protégée par tous les saints, dont Sainte Rita et tous les anges et archanges, Jésus et Marie et Joseph et Dieu le Père Tout-Puissant et Krishna et Arna et Prabhupada. Que cela soit selon la volonté une, l'unité parfaite de la divinité et de la terre. Merci. Voilà ce que je demande. Ô prière à Sainte Rita, ô glorieuse Sainte Rita, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens, s'il te plaît, auprès du Seigneur Tout-Puissant et Bon, aide-nous auprès de Dieu. C'est sur ton intercession que nous avons basé notre confiance. Couronne nos espoirs, entends nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes par les mérites de Sainte Rita. Ô toi qui es si bonne, Sainte Rita, fais que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Merci au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous, s'il vous plaît, de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu, s'il vous plaît, les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Malakel, 22 octobre. Malakel réussite dans la concentration, capacité de grande et intense activité en circuit fermé, dans le sens toujours de l'instauration du futur dans le présent. Je rappelle que le mot du jour est avenir. L'avenir se prépare avec la signature pour l'achat de cette maison. Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime, je regarde la croix, je remets tout ceci au pied de la croix. Merci de la croix de Jésus crucifié pour nos péchés, pour nous sauver du mal. Merci pour nous amener à la félicité céleste. Merci Seigneur Jésus. Je t'aime. Malakel, réussite dans la concentration, capacité de grande et intense activité en circuit fermé, dans le sens toujours de l'instauration du futur dans le présent. Invocation. Malakel, s'il te plaît, assigne-moi une mission dans les grands travaux d'édification du nouveau monde de paix, de bonté et d'abondance qui approche selon la volonté divine et l'action humaine. Au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Que je sois béni pour faire tout cela, pour réussir cela. Réussir dans la concentration, capacité de grande et intense activité en circuit fermé, dans le sens toujours de l'instauration du futur dans le présent. Manakel, 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 Manakel. S'il te plaît, assigne-moi une mission dans les grands travaux d'édification du nouveau monde de paix, de bonté et d'abondance qui approche selon la volonté divine et l'action humaine. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, 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 Amen. Manakel, s'il te plaît, assigne-moi une mission dans les grands travaux d'édification du nouveau monde de paix, de bonté et d'abondance qui approche selon la volonté divine et l'action humaine. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Le mot paix, vraiment le mot du jour, que ce soit un havre de paix, cette maison. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. L'ange Malakel est au service des constructeurs dans chacune des diverses étapes de leur travail pour dire qu'il poussera le malade, le souffrant à devenir l'exécutant qui réunit les différentes parties pour que l'œuvre puisse être réalisée. La personne se chargera de chercher l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le maître d'œuvre, les maçons, plombiers, électriciens, etc. et de chercher les terrains, obtenir les permis. Il se produira en lui le même type d'action constructive si l'œuvre envisagée est sociale. Une pensée aussi pour mon appartement à Saint-Nazaire qui va être refait. Il y a donc un maître d'œuvre pour cela et donc des personnes, des maçons, des plombiers, des électriciens qui vont travailler à cela, que tout cela soit sous la bénédiction de Dieu et de l'ange Manakel, par Jésus, par Marie, par Joseph. Merci. La personne sera le coordinateur grâce à qui tous les autres peuvent assembler leurs travaux. Par la grâce et la force de l'ange Manakel, elle sera celle qui met toutes les pièces à leur place et qui finalement installe la carrosserie, pour ainsi dire. Dans les chaînes de montage des industries modernes se trouvent des ouvriers très qualifiés chargés de remplacer quiconque doit s'absenter de la chaîne.
parce qu'ils connaissent toutes les phases du travail, et eux, en eux, nous avons une image assez précise de ce que peut et devrait devenir le malade qui prie l'ange Manakel pour que celui-ci lui accorde la santé. La personne globalement se trouve sur les dernières marches du travail expérimental, sur le point de se libérer des tâches contraignantes. Pour mieux dire, il est sur le point de couronner une escalade, sur le point d'arriver au but désiré d'être libéré du mal. La personne peut envisager de devenir avec succès le maquettiste de nouvelles constructions ou même l'organisateur d'une communauté où l'on vit philosophiquement. Prière à l'ange Manakel, ange Manakel, ange Manakel, ange Manakel, je célèbre par des louanges révérentielles envers ton saint nom, ta lumière, ta puissance et ta bonté, Seigneur Manakel, éloigne de moi la maladie, le mal, la souffrance, et fais que se réalise la volonté de mon cœur, que je sois en bonne santé, que j'agisse utilement pour le plus grand bien de tous. Que je sois en bonne santé, mes chats aussi, et que j'agisse utilement pour le grand bien de tous. Merci. Voici le souhait de mon cœur, que je sois en bonne santé, que j'agisse utilement pour le plus grand bien de tous. Et mes chats soient en bonne santé. À cause de la grandeur de ton amour et de ta force, je te demande, ange Manakel, d'exaucer ma prière, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Ange Manakel, je célèbre par des louanges référentielles envers ton saint nom, ta lumière, ta puissance et ta bonté. Seigneur Manakel, éloigne de moi, s'il te plaît, la maladie, le mal, la souffrance, et fais que se réalise la volonté de mon cœur. Que je sois en bonne santé, mes chats aussi, et que j'agisse utilement pour le plus grand bien de tous, et tous autour de moi en bonne santé, et qu'ils agissent tous pour le plus grand bien de tous. Merci. Manakel, Manakel, Manakel. À cause de la grandeur de ton amour et de ta force, je te demande, ange Manakel, d'exaucer ma prière au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges. Ainsi soit-il. Amen. Prière à l'ange Manakel. Ange Manakel, 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 je le célèbre par des louanges référentielles envers ton saint nom, ta lumière, ta puissance et ta bonté. Seigneur Manakel, s'il te plaît, éloigne de moi la maladie, le mal, la souffrance, et tout autour de moi, donc, et fais que se réalise la volonté de mon cœur, que je sois en bonne santé, mes chats aussi et tous autour de moi, tous mes amis, et que j'agisse utilement et nous tous pour le plus grand bien de tous. À cause de la grandeur de ton amour et de ta force, je te demande, ange Manakel, d'exaucer ma prière. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, ange Manakel, merci, amen. Ange Manakel, je célèbre par des louanges révérentielles ton saint nom, ta lumière, ta puissance et ta bonté, et je remets ton avenir dans les mains, aux pieds de Jésus, par les mains de Marie, ma mère, et avec ta grâce et l'essence de tous les anges, aux pieds de la croix, merci. Amen. Ange Manakel, je célèbre par des louanges révérentielles envers ton saint nom, ta lumière, ta puissance et ta bonté. Seigneur Manakel, éloigne de moi la maladie, le mal, la souffrance, et fais que se réalise la volonté de mon cœur. Que je sois en bonne santé, et tout béchar et tous autour de moi, que je réalise la volonté divine, que je sois en paix, plein de réussite, que les êtres humains autour de moi soient tous en paix et guéris, pour le plus grand bien de tous. À cause de la grandeur de ton amour et de ta force, je te demande, ange Manakel, d'exaucer ma prière, au nom du Père, du Fils, ressuscité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Par la main de Marie, ma mère. Amen. Le 22 octobre, donc, jour de la signature de la promesse d'achat de cette maison, dans laquelle j'espère vivre très longtemps. En paix, dans la réussite, la joie, l'amitié, l'amour, la bonne santé de mes chats, de moi, la grâce divine, la bénédiction de Dieu, la protection des anges, l'aide des anges et des saints, et de Jésus, et de Marie, et de Joseph, et de Krishna, et de Radha, et de Prabhupada. Merci. Amen, 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 amen. Donc Manakel, 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 pouvoir obtenir ange Manakel.
pouvoir obtenir extériorisation de la connaissance du bien et du mal. Ange Manakel, Archange Gabriel, force de Dieu, Ange de sagesse, Seigneur Manakel, je veux vivre sous ta divine garde, je veux me nourrir de tes essences célestes, de ton intelligence aérienne, être soutenu par toi, par tes célestes compères de nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant. Rempli d'enthousiasme, débordant, je désire agir, mais en sachant bien au préalable ce que je dois faire pour bien faire, je te demande, Seigneur Manakel, de bien m'orienter en m'accordant tes divines essences pour connaître de façon précise ma mission dans les grands travaux de construction du nouveau monde, du bonheur, de bonheur et de paix qui doit très rapidement être réalisé selon l'expresse volonté du Créateur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen. L'ange t'aidera toujours, car plus que le veau veut téter, la vache veut allaiter. Extériorisation de la connaissance du bien et du mal. Ange de sagesse, Seigneur Manakel, s'il te plaît, je veux vivre sous ta divine garde. Je veux me nourrir de tes essences célestes, de ton intelligence aérienne, être soutenu par toi et par tes célestes compères, de nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant. Remplis-moi, s'il te plaît, d'enthousiasme débordant. Je désire agir, mais en sachant bien au préalable ce que je dois faire pour bien faire. Je te demande, Seigneur Manakel, de bien m'orienter en m'accordant tes divines essences pour connaître de façon précise ma mission dans les grands travaux de construction du monde nouveau de bonheur et de paix qui doit être très rapidement réalisé selon l'expresse volonté du Créateur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, alléluia. L'ange t'aidera toujours, car plus que le veau veut téter, la vache veut allaiter. C'est-à-dire que l'ange est toujours encore plus en demande de m'aider que moi d'être aidé par lui. Et je remercie l'ange de cela. Extériorisation de la connaissance du bien et du mal, ange Manakel, archange Gabriel, ange de sagesse, Seigneur Manakel, je veux vivre sous ta divine garde, je veux me nourrir de tes essences célestes, de ton intelligence aérienne, être soutenu par toi et par tes célestes compères, merci, 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 de nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant, rempli d'enthousiasme débordant, je désire agir, mais en sachant bien au préalable ce que je dois faire pour bien agir. Je te demande, Seigneur, de bien m'orienter, s'il te plaît, en m'accordant tes divines essences pour connaître de façon précise ma mission dans les grands travaux de construction du monde nouveau de bonheur et de paix qui doit être très rapidement réalisé selon l'expresse volonté du Créateur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, Jésus, que j'ai confiance en toi et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Que je comprenne, que ce soit vraiment clair ce que je dois faire pour réaliser ma mission, mes missions. S'il te plaît, ange Manakel, extériorisation de la connaissance du bien et du mal, ange Manakel. Ange de sagesse, Seigneur Manakel, je veux vivre sous ta divine garde. Merci, je veux me nourrir de tes essences célestes, de ton intelligence aérienne. Être soutenu par toi et par tes célestes compères, de nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant. Rempli d'enthousiasme débordant, je désire agir, mais en sachant bien au préalable ce que je dois faire pour bien faire. Je demande à bien le savoir, que soit bien clair ce que je dois faire pour bien faire, Seigneur Manakel. Je te demande, Seigneur, de bien m'orienter en m'accordant tes divines essences pour connaître de façon précise ma mission dans les grands travaux de construction du monde nouveau de bonheur et de paix qui doit être très rapidement réalisé selon l'expresse volonté du Créateur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. L'ange t'aidera toujours, car plus que le veau veut téter, la vache veut allaiter. Manakel, Manakel, Manakel. Merci. Manakel. Manakel, ange des désemparés, il appartient au cœur des anges gardiens. Il nous protège chacun individuellement et de manière indirecte. Donc, c'est le cœur des anges gardiens auquel appartient Manakel, dirigé par l'archange recteur, donc Gabriel. Merci à tous les deux. Manakel, dont le nom se traduit par Dieu qui nous seconde et qui veille sur nous, est l'ange qui,
dans la tradition hébraïque, veille sur le prophète Élie. Élie, l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste. Il pensait pour mon père Jean-Baptiste. Malakel, ange gardien de ma sœur, dont le nom se traduit par Dieu qui nous seconde et qui veille sur nous, seconde-moi et veille sur moi et sur nous, Manakel et sur ma sœur, et l'ange qui, dans la tradition hébraïque, veille sur le prophète Élie, en contact permanent avec Dieu, il est considéré avec Isaïe comme étant l'un des prophètes les plus importants des Saintes Écritures. Élie fut béni et élu pour transmettre la volonté de Dieu aux Juifs de son époque par l'intermédiaire de messages angéliques. Sa vie hasardeuse nous est racontée dans la Bible et a toujours été liée à la volonté divine. On recense de nombreux miracles qui ont eu lieu grâce à l'intercession des anges. Le livre des Rois nous raconte un épisode au cours duquel Manakel, l'ange gardien d'Élie, veilla sur lui lors de sa fuite dans le désert. Élie venait de réaliser un miracle pour démontrer aux disciples de Baal que leur dieu n'était qu'un imposteur. Furieux contre les prophètes et les prêtres de Baal, le peuple les assassina. Lorsque le roi se rendit compte de ce qu'Élie venait d'accomplir sur les ordres de Dieu, il devint furieux et jura de venger la mort de ses prêtres. Le prophète dut s'échapper et se réfugier dans le désert. Privé d'eau et de nourriture, il commençait à désespérer et demanda à Dieu de lui ôter la vie. Il s'endormit au sol, mais un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit et une cruche d'eau. Dieu nous enseigne que si nous suivons son chemin, il nous substantera. Ses anges sont là pour nous aider à mener à bien la mission que Dieu nous a confiée. Et merci pour cette mission. C'est un moyen de me substanter, de répondre à mes besoins, Seigneur. Merci beaucoup. Prière à l'ange Manakel, Dieu d'Abraham, des prophètes et des saints, toi qui as envoyé l'ange pour veiller sur ton serviteur Élie, fais, s'il te plaît, qu'il le garde sur le chemin de la vérité et de la vie qui conduit à ta demeure. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Dieu d'Abraham, des prophètes et des saints, toi qui as envoyé l'ange pour veiller sur ton serviteur Élie, fais qu'il me guide sur le chemin de la vérité et de la vie qui conduit à ta demeure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. C'est au pluriel, fait qu'il me guide. Prière à Manakel, Dieu d'Abraham, des prophètes et des saints, toi qui as envoyé l'ange pour veiller sur ton serviteur Élie, fais qu'il me guide, donc les prophètes, les saints et Manakel et Élie, sur le chemin de la vérité et de la vie qui conduit à ta demeure. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia, prière à Manakel, Dieu d'Abraham, des prophètes et des saints, toi qui as envoyé l'ange pour veiller sur ton serviteur Élie, fais qu'il me guide sur le chemin de la vérité et de la vie qui conduit à ta demeure. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Manakel. Nous sommes donc dans le Ziézode, la fondation Archange Gabriel. Manakel, le mot qui correspond à Manakel est apprentissage. Ta présente incarnation est à la fois la graine et le fruit de plusieurs vies au cours desquelles tu parcours l'arbre de vie. Tu dois apprendre tellement pour faire évoluer ton âme. Alors ne ferme pas ton esprit. Chaque journée est une leçon dont tu es à la fois le maître et l'élève. Observe-toi un moment. Qu'apprends-tu de toi-même face aux événements que tu croises? De temps à autre, tu devras te remettre en question, renoncer à tes certitudes, à tes habitudes pour te recréer toi-même. Cela, toi seul peux le faire, car c'est à toi seul que revient le pouvoir de te changer. À l'occasion, certains te proposeront de t'y aider. Accueille leur offre avec lucidité et discernement, car l'ombre sait se dissimuler sous les voiles les plus éclatants. Conseil, prends conscience, plan physique, prends conscience que jamais tu ne cesses d'apprendre et que tour à tour, tu es celui qui donne et celui qui reçoit. Les leçons sont partout, à la fois en toi et autour de toi. Elles peuvent revêtir de nombreuses formes, sois attentif. Plan émotionnel, tu dois comprendre l'origine de tes émotions, mais surtout, tu dois apprendre d'elles. Commence par les considérer avec détachement pour mieux entendre l'enseignement qui t'est donné. Plan spirituel, le maître le plus sage sait qu'il devra toujours apprendre, c'est pourquoi il se questionne et s'applique à rester humble. Je suis comme un enfant et j'apprends sans cesse. Tout est mon maître, et les enseignements sont partout.
dans les choses les plus simples et les plus complexes, dans les expériences les plus agréables et les plus douloureuses, peu importe, j'accueille les leçons qui me sont données. Je suis comme un enfant et j'apprends sans cesse. Tout est mon maître et les enseignements sont partout dans les choses les plus simples et les plus complexes, dans les expériences les plus agréables et les plus douloureuses, peu importe, j'accueille les leçons qui me sont données. Je suis comme un enfant et j'apprends sans cesse. Tout est mon maître et les enseignements sont partout dans les choses les plus simples et les plus complexes, dans les expériences les plus agréables et les plus douloureuses, peu importe, j'accueille les leçons qui me sont données. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur repose dans vos bras, grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père, au Fils de Dieu, priez pour nous, pour nos soucis de famille. Une pensée donc pour ma famille de sang, ma sœur, dont Malakel est l'ange gardien. Ma mère décédée, mon père décédé. Saint Joseph, prie pour nous dans le souci de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et viens nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Amen. Père éternel, avec confiance, je vous offre le cœur uni de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et sanglantes de Jésus et les larmes de Marie, notre Mère du Ciel. Seigneur, que votre volonté soit faite, et puisque cette maison me rapproche du temple d'Oublaise, au gloris tu isavingues asibeta pactivedanta shrila prabhupada. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityayanda Shri Veda Gadadara Shri Vasadi Gaurabhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe. Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe. Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe. Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna Shri Radhe Govinda. Hare Hare Radhe Shyam. Hare Hare Radhe Shyam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna Shri Radhe Govinda. Hare Hare Radhe Shyam. Hare Hare Radhe Shyam. Hare Hare Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jai Shri Krishna, Chaitanya. Alléluia, Hare Krishna, Jaya, merci à tous les anges, archanges, tous les devas, tous les saints, merci à Prabhupada, merci à Marie, à Jésus, au cœur immaculé de Marie, au cœur sacré de Jésus, à l'union de ces deux cœurs, merci aux Pères Célestes Tout-Puissants, au Saint-Esprit, à tous les saints, anges, archanges. Ainsi soit-il, Amen. Merci à tous les rayons, tous les anges des rayons, tous les maîtres ascensionnés, tous ceux qui m'aident dans l'invisible, à mes parents, à mes amis, à mes chats. Merci. Ainsi soit-il, Amen. Que cette journée de signature de la promesse d'achat soit une grande journée et qu'elle ouvre le chemin, la porte à une vie de bénédiction pour moi et pour tous autour de moi, tous les êtres vivants et la nature. Tout autour. Merci. Amen. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Amen. Alléluia. Om Hare Krishna.